Elle me tourne le dos. Et merde. Au petit matin, parmi les nègres des poubelles et les premiers pigeons, je filais chez mon ami le plus sûr. Je montrais ma plume à l'Afrique, aux poubelles et bien sûr aux pigeons qui me firent des roucoulements de considération admirative. Je sonne, voici mon ami André. Posément, avec précision, je vidais mon sac biblique, mon oreiller céleste. Tu m'entends bien, André? Qu'on me prenne au sérieux? Et l'humanité tout entière s'arrache à son orbite de malédictions guerroyantes et funestes. À dégager. Fini la souffrance, la sottise, la joie, la lumière débarque. André se massait pensivement la tempe.